Et ok! Salut à tous, Cyril Calcos, on est parti pour la suite de nos aventures sur Avernum 3. Je vous avais laissé la dernière fois suite à l'invasion de Golem que j'ai stoppé. Ça y est, encore une invasion de stoppée. Il n'en reste plus qu'une si mes calculs sont bons. Et il s'agit des Alien Beasts. Malheureusement, comme vous pouvez constater, on est arrivé trop tard. Il y a des squelettes partout. Tout est ravagé par les Alien Beasts. Même cette magnifique ville. Hein. J'étais en train d'investir, investiguer, enfin je sais pas comment on dit. On fait une investigation si vous préférez. Et il y a un petit passage ici, mais je peux pas y aller. Et c'est justement ce qui m'intéresse surtout. Et rappelez-vous la dernière fois, j'étais bloqué dans ces sous-sols. Donc tout était sous le contrôle des Alien Beasts, hein, y a plus âme qui vive. Quoique. Que je vais vous montrer, donc j'ai fait un peu de hors stream pour vérifier où était la suite. La suite, c'est par là. Non, non c'est bon. On peut passer par là. Oh non! Botte. Oh putain, le con. Il me semble que c'est pas vraiment là. Voilà, c'est ici. Voilà ce que j'ai raté la semaine dernière. Et finalement, vous allez voir que si j'ai un peu avancé pour savoir s'il me manquait quelque chose, finalement, il ne me manque pas grand-chose. Mais on va quand même faire quelques allers-retours. Donc là, j'ai oublié que le message. J'ai oublié de lire le message. Le message disait qu'il y avait un petit passage de caillasse qui me permet de passer outre les obstacles. On peut continuer notre investigation. Très bien. Avec. Très bien. Très bien. Ah, raté. Lui, il faut. Ou deux coups. J'ai dépensé toute ma mana pour faire après un aller-retour, il n'y a pas de problème. Hop, là. Je peux pas y aller. Parce que j'ai pas le niveau. Niveau spell, je veux dire. Ça manquait trop de dégâts. Demande si je vais pas augmenter un peu d'assassination. Ok, c'est bon. 28 PV qui reste. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir sauvegarder tranquille. Ouh là là. Et là, on touche pas à Rebecca. Là, je peux pas y aller. Ici que je peux aller. You've been ambassing door, covered with protective wounds. There is a strongly open keyhole in the center of the door. On an inch. You try the key you found in the murder cave near New Formello. Alors ça date un peu. C'était l'épisode où j'étais à New Formello, donc c'est dans Upper Avernum, dans lequel j'avais une quête avec des sauterelles et etc. Si je me trompe pas, et j'avais trouvé une clé. Et ben c'est grâce à cette clé que j'ai pu ouvrir cette porte. Et du coup, ben fallait faire justement cette quête, sinon ben on pouvait pas continuer. Two wall sections slide into the floor that present with another bunch of alien beasts. Donc voilà, ça a cassé. Alors j'ai une strat là-dessus. Tapez. 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 Oh, t'as one shot un leader. Il en reste encore. Ok. On ne doit rien avoir d'autre. Donc là, rien d'intéressant. Par contre, vous pouvez constater que c'est très bizarre. Alors ici, on a des couteaux. On est dans la cuisine. Pour l'instant, il n'y a toujours personne. Alors, est-ce que c'est là que je lance le cutscene ou pas? Pas encore. Ok, on peut continuer alors.
Là, déjà, c'est bizarre qu'il y ait un truc comme ça qui traîne dans les sous-sols d'une ville, tout ce qu'il y a de plus basique. L'ordinaire. Ah, je peux pas l'ouvrir. Peut-être des passages secrets. Il y avait des murs, du coup. Là, on voit clairement que c'était des mécanismes d'autodéfense. Un Ulbitz. Ils ont plus beaucoup de mana. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ne marche pas. On a une zone remplie d'Alien Beasts sous contrôle là. On comprend pas ce qui se passe. Je ne peux pas y aller. C'est des révélations. Non! Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc là, on n'a rien vu. Ok? J'expliquerai juste après parce que là, j'ai plus beaucoup de mana. Je vous dis juste qu'il faut absolument que je sois full mana. Je l'ai passé assez rapidement. J'espère juste que qui sont sur YouTube, qui regardent la rediff, vont peut-être appuyer sur pause, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. Donc, de toute façon, il n'y en a plus pour très longtemps. Là, ce que je vais surtout faire, c'est que je vais me préparer un gros truc parce que là, sinon, c'est la merdouille. Vraiment. Oula. Mode. Voilà. Tac, 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 tac. Bateau. Hop. Hop, 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 hop. Là, je ne peux pas passer. Là, il faut quelque chose. Dessus. Là, moins je dépense de mana, mieux c'est. Oublié. Ah, c'était là. Hop là, tac, tac, tac. Hop là. Hop. Hop, j'ai une mana, tac. Entendu. Oh putain! Il y en a partout. Il va falloir fighter un petit peu, j'ai un petit peu farmé là. Je suis désolé. Mais j'ai besoin de. Déjà, régénérer ma mana, ça sera déjà pas mal. Là, il y a plein d'aliens bestes qui traînent de partout. On va les fighter. On n'a pas le choix. Et deux packs leaders. À côté en plus. Bam! Bam! Ah ouais, on a clairement besoin. Cible. Voilà, du level up en plus, c'est Mycroft, très bien. On en avait besoin. Hop, un petit smite. Comme ça. Hold to fire! Hop, on est bon. Hop, sauvegarde. Hop. Ils sont moins nombreux. Tous sur le même. Super, super. On a besoin. On a vachement besoin. Donc ça me fait super plaisir de voir que ça explique. Et merdouille. Allez, on se casse de la zone là parce que c'est super dangereux. C'est pas pour rien que c'est la région la plus difficile du jeu. Vous passez. Attention à la légende de l'Empire. Les gens de l'Empire ne m'aiment plus trop. Ils savent que je suis vivant. Ils savent que j'ai cassé la gueule à Lyon. Gentil, très bien. Hop, un peu plus au sud. Gobelin, on s'en fout. Hop là. Cassez-vous.
C'est vrai que je prends la route la plus longue pour aller. Ah, quoi que, il y a peut-être un truc ici. Pas une zone où je peux faire juste une petite zone d'entraînement là. Il n'y a pas. Ville de campagne là, il y a des murs et tout. Peut-être là-haut. Arme. Non, on s'en fout des quêtes secondaires, on n'est plus là. Tant pis, allez, on peut descendre. Non, je m'en fous. J'y venais de tes îles en plus. Attention. On a raccourci par là. Me semble qu'ici, il y a une petite zone d'entraînement, non? Pas aller voir là. Ah si. Dispel barrière niveau 2, c'est vrai. C'est là que j'apprends le dispel barrière niveau 2. Âge. Pas une zone d'entraînement. Ah quoi que. Ah là, nickel, nickel. Alors, on va en avoir besoin. Aldou, tu as du melee weapon, du power weapon, et t'as que 8 en assassination. T'es full luck et tout, et pourtant tu prends cher par le. Je rajoute un peu de ta melee weapon histoire de bien. La défense est défense est la défense est deux. Hop. Ouais, t'as 8-8. On est... Rebecca. Truc, first aid, on s'en fout. Anatomie, on s'en fout. Dextérité. Quasiment parfaite. Des dégâts, t'as plein de PV. Cordélia. Besoin de luck. Pas pareil. Hop. Ça sent 2 PV, on est bon. Hop, voilà. 102, 102, 140, 197. Donc on est bon. Ok, on remonte full. PV full mana. On va juste perdre quelques manas du côté de la prêtresse et du mage. Non, je m'en fous de ta croyance à la con. On n'est pas besoin pour aller jusque là. Ça dégage. Hop. Bob les plus durs du jeu. Ah, des ogres! Oh, des ogres. Ah, des ogres. Ah, des ogres. Ah. Ok, stop, on a un problème. Aldo a une encombrance de 1, mais il n'y a pas de pénalité. Ok. Vous gagnez un élixir. Super. Attention, il y a des. Laissez-moi passer. Ah, laissez-moi ressortir de se faire bouffer. Ah, il y a du 93 de dégâts. On est bon là. On est sur du 80 du côté de Rebecca, c'est bien. Il ne me suffisait que d'un niveau. Je pense qu'on est bon là. Grosse sauvegarde. Très important.
Et là, on va arriver enfin. Alors que tout le monde attendait depuis plusieurs épisodes, qui a été spoilé depuis le début de cette aventure. La révélation. Qui est à l'origine de tous ces problèmes? Car on sait pertinemment que ces monstres ont été créés de toutes pièces, mais on n'a jamais su par qui. Maintenant, on va le savoir. Même si elle a été spoilée à 2-3 minutes de ça, par accident. Je sais par où sortir, il n'y a pas de problème. On passe, on ouvre la porte grâce à la clé. Hop, le piège c'est fait. Bon, déjà, on voit déjà le petit souci qu'il y a dans ces sous-sols. Et là, je vais faire une double sauvegarde. Donc là, c'est la partie où je vais être safe. Et à partir de maintenant, c'est la dernière fois que je vais me retrouver dans une situation où je ne peux pas sortir. Et là, on a tout. You enter this large dim hall. You adjust. And you see what and who is added. You breath catch in your throat. You found the master of this fortress. And the creator of the monsters, the hall contain several phenotypes. At the west end of this chamber are four crystal souls, each surrounded by a halo of sparking energy, flash of light travel into and out of them as they send a command to the monsters. But I'm ravaging you home. You can just hear her dark commands in the corner of your mind. As you struggle to listen, you see an apparition float up above them. It's a projection of Rentar Irno, the master mage of the Vanatai. Donc voilà. Bon, on voyait déjà Alien Best, Alien Slime au tout début. On voyait des cristaux au niveau des golems. Et au niveau des cafards, je crois que c'est les seuls qu'on n'avait pas grand chose. Au niveau des ogres et des géants, c'était les barrières. C'était des barrières qu'on ne pouvait pas franchir. Et la technologie qui était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que les cafards qu'on n'a pas d'indice là-dessus. Mais c'est. Voilà. Là, c'est officiel. On a Rentar Irno qui apparaît juste devant nous. On voit qu'il y a 4 Crystal Souls. Donc. Référence à Avernum 2, hein, les Crystal Souls. Alors je ne sais pas encore si c'est les mêmes ou pas, mais voilà, on sait maintenant que ce sont les Vanatai qui sont à l'origine de tous ces problèmes. Donc Rentar Irno, c'est une mage, donc Air Voice, sa voix, et non pas His Voice, sinon ça aurait été un homme. Is sharp and cruel as the speak. So human, you have found us at last. We seek your rightful revenge against this empire. And yet, despite the nightness of your claim, you continue to oppose us. On sent qu'elle a jamais aimé les humains. Dans le 2, déjà, elle avait bien montré que, en fait, ce qui se passe exactement, c'est que l'Empire avait volé 4 Crystal Souls. Donc, c'est des cristaux dans lesquels les Vanatai peuvent emprisonner leurs âmes. C'est réservé aux plus grand Vanatai de leur histoire, et 4 d'entre eux ont été volés par l'Empire parce que c'est des trésors, c'est magnifique, ils brillent incroyable, et en fait ces cristaux ont une âme à l'intérieur, donc du coup ils peuvent communiquer, donc donner la connaissance des Vanatai. Et donc Rentar Irno est très rancunier envers l'Empire, sauf que nous on a stoppé déjà ces invasions plusieurs fois, donc là il est très vénère, et du coup they took our crystal soul from us, and tormented them endlessly. For this, they must pay, no matter what. By hiding them, you join in their wickedness. Now you shall pay. There is a flash of light, and you pass out. You wake up in a small rectangular room. There's no door, just a huge plug of blocking. Sister's room is empty. No bed, chair or window. Pas de nourriture, pas de lumière. Bon,
Oh, elle nous a emprisonnés dans le cube. Le cube. Donc il faut se barrer de là. Heureusement qu'ils ont marqué no bed. Hein. Je vois deux lits là. Deux sortes de sets de couchage. Les jours passent. Pas de nourriture, pas d'eau. Rien n'arrive. Le temps passe dans les ténèbres. Là, du coup, je fais une autre sauvegarde pour être sûr que c'est de ma sauvegarde. Another day pass. Alors, pas de bouffe, pas de. Toujours pas de bouffe, toujours pas de d'eau. Personne ne vient pour vous poser des questions. Le temps passe dans les ténèbres. Vous êtes vraiment pas bien. On dit The Vanatai are leaving you. Donc, vos suppositions commencent clairement à faire comprendre que les Veneta, il vous a juste laissé mourir ici. On est en bas. Oh, selon la carte, on est juste à côté de la sortie qui se trouve juste là. Encore d'autres jours passent. Ah, vous commencez. Vous entendez une voix. Atlas, I can't pay for you. On can live out. Have a care, avoid the extension. Find me in the cave beyond the great walls. Et non, vas-y. Portail! Ah, attendez. Ok. Qui est le personnage qui a le plus bas level, s'il vous plaît? Ok, Cordelia ou Rebecca? Non. Ah, Mycroft aussi. Ok, alors vous avez combien d'expérience? 46,5. 46,5. Hey! L'handicap est pas le même, hein? De très peu. Alors comment ça se fait qu'il y en a deux qui sont niveau 34 malgré leur 45 500 d'XP? 46 000. Et toi t'as que 44 000 d'XP, t'es niveau 35. On sent que le handicap ça vient plutôt du d'accord. Du d'accord. Bah du coup c'est compliqué parce que t'es niveau 35 donc je vais pas trop te faire level up. Même pas comment tu fais pour là au niveau 34 il faut 45 900, lui pour passer 36 il faut 45 500. Donc le handicap vient plutôt de l'expérience dans le 3. Ouais, j'apprends des trucs. Donc du coup, par rapport à tout à l'heure où je l'ai envoyé à l'abattoir, en fait, il y a de l'avance ce con. Donc, je pense qu'on va envoyer Rebecca, parce que c'est la seule qui... Ouais, la seule à 45 000, alors qu'elle peut monter à 45 900, elle est pas loin. Vas-y Rebecca. Pour la première fois, tu vas montrer. Au step took the portal and feed yourself in such a fickle. Any badly alien beast. You go into this line. You free, but vos compagnons sont encore prisonniers. Vous êtes libre devant toutes ces alien beasts qui veulent vous croquer. On est dans la merde. Hein. Alors pas tout de suite. Ah bah. Ah bah, salut! Voilà, c'est ça, des Vanatai. Ouais, sympa ta cape. Ah bah, j'ai déjà. Sympa ton épée. Ah, sympa, toutes les alliés... Aïe! Même pas mal! Il a envoyé un géant en plus. Là! Da, kei, kei, kei. Da, 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 da. Alarme! Alarume, pardon. Gave, son amène. Hein? Kei, hein? Oups.
Je vais venir. Je suis mort. Est-ce que j'ai enclenché l'alarme? Gigi. You die. Ah, on est vraiment sur un passage. J'ai déjà oublié ce passage-là. Je vais vous sauver. Allez, rien à péter. Aldo, à toi de tenter ta chance. Vous êtes libre, mais pas vos compagnons. Vous êtes débile, mais pas vos compagnons. Alien. Ah ah! Fight! Ouais, Aldo, ça va beaucoup plus vite. Hein. Aïe. Vous te calme. On va éviter. Alors, il y a du kai-kai. On va kai tout, hein. Aine. Mais quoi quand je mets Aine? Il faut éviter que le... Ok, le cristal est là. Donc c'est celui-là que je peux. Et là aussi. Et là aussi. Éviter cela. Ok, intelligent. Vous avez ok. You have a free of your group. Ouais, vous avez sauvé votre groupe. Ah. Ah bah ça va une sauvegarde ça. On a perdu très très peu de. Par contre, il va falloir se fight les gars parce qu'il y a des Vanatai ultra vénères qui me cassent les couilles. Là. Oh putain, il est invincible niveau. Ok. Ok. On va ouvrir la porte. Donc tout ce qui est Ada, on va passer Kai. J'en ai rien à péter. Ah bah non, Kai, ça veut dire... C'est bon. Elle est free. Ah ouais. Ça dégage. Alors, un coffre. Alors, les. Voilà. Un pote à cap. Un pote à cap. Donc, dans le 2, on pouvait en avoir facilement. Ok. C'est bon. Alors, je pas l'alarme, on n'est pas con. Hein. Oh putain de merde. Alors, on va recommencer à nouveau. J'ai pas envie de perdre. En fait, le but est de perdre le moins de mana possible. Donc d'être le moins débile possible. C'est très important. Ouvrir la porte, très bien. Presser, ça va être surtout ce qui arrive après. Là, le but, c'est de s'enfuir. Mais tranquille, hein, pas faire le con. Là, on va se retrouver chez les boss. Donc les gars, on va se préparer parce que là, on a un gros combat qui va arriver. Donc je spoil pas. On a un très très gros combat. On va là, on va faire les techniques de base. Ah, et c'est parti.
Newton to the world of projection. Vous avez trouvé la projection de Rondonat. Conferring with the Crystal Souls. Un des esprits fabrique un shop noise. She turns surprised to see you. What's your will? What you doing out? You look over the magical teleporter trap by the hub of the door and realize you far from it. For a moment, she actually seems under what you do. Un des crystals soon a message to everyone in the room. I dig no book. Say that we have had enough of this Interpol. We will destroy them now. Les autres cristals commencent à être d'accord. Blablabla, ils commencent à être vénères. Ils commencent à vous vaporiser. Ils se préparent à... D'accord. On va vous défoncer. Ah oh ouais. Oh putain, il y a des élites en plus. On a... Ouais, bah tu m'étonnes. Donc voilà, les cristals soul, il faut les défoncer, mais ils sont... Ouais. Ah, ils sont vénères. Hein. Triple destruction de la mort qui tue! Super, il nous a plus que vaporisé, là. Défoncé. Merde, j'ai rien préparé en plus. Attendez, je suis pas prêt. C'était une game de chauffe. Ah ouais, faut faire ça bien. Il faudra m'expliquer comment ça se fait que j'ai pas une putain de truc. Maintenant, vous allez mourir. Attendez, je suis pas prêt. Ah, je passe pas. Ils sont sympas là. Ils sont super sympas là. Il m'a mis une over confusion de la mort. On est bien. Et vas-y que ça boit des potions. Le doute, un enculé. Vous ne pouvez pas sauter pendant le combat. Ah ouais, là c'est vraiment. Et vas-y que ça soigne à gogo. C'est vraiment un combat ultra hard. 4 Crystal Souls, c'est nul. Surtout qu'on n'est pas au petit niveau, hein. C'est vraiment le niveau de la mort. Quoi. On va vous tuer. On se casse. On aille plus vite qu'eux. Ça va. Ok. On se défend. Ils arrivent. Ça va être long. Ça va être très long. Ils osent pas venir. Mieux. Par contre, j'espère que Cordelia elle va pas trop loin parce que là c'est la merdouille. Putain, ça barre. On voit pas de potion.
Putain de merde. Tu reviennes. Je peux pas m'enfuir. Je peux m'enfuir. Yo! Putain. Tout ça parce que c'est la seule que j'ai pas sauvée. Chier. Donc on va faire comme ça. Oh, je peux même pas, putain, mais arrêtez de me faire ce truc de merde. Oh, sérieux, quoi. Y'a aucune résistance naturelle à la... Ah, oh, je suis dans la merdouille, quoi. J'arrive même pas à passer à travers cette merde, quoi. Je crois que ça me saoule. Juste m'enfuir. Laisse passer, c'est gentil. Est-ce que j'arrive à passer? Je peux pas passer. Putain de vanataille de merde. Putain, c'est le seul passage. La sortie, elle est là. Et moi, j'ai juste une salle à passer. Ça va être long, hein. J'ai pas le niveau. Merde, j'ai fait le coup. Casse-toi, toi! Réfléchis pas. Putain de porte de merde. C'est pas grave. On se casse. Allez, il faut juste que je fasse ça, hop, tranquille. Ok. On va attendre un peu. Radiant Shield. C'est long, hein. Ok. Il passe pas. Maintenant, vous allez mourir. Là, ce qui est bien, c'est que maintenant je peux m'enfuir. C'est ça qui est intéressant. Bon, on a perdu quand même pas mal de mana. Mais on va pouvoir s'attaquer au round 2.
N'est-ce pas? Là, l'objectif, ça va être clairement de les défoncer un par un, les trucs. Donc j'ai défoncé un garde. Reste encore pas mal. Y a plus de bestiaire quoi. Super bête. Ok, bon maintenant faut se tirer de là quoi. J'ai pas fait de bêtises. Ok. Close alien base. Ah si. J'ai dit. Aïe. Pas de clé. Yes. Gagné énormément d'XP. Oh. Je suis un étranger. Du coup, il n'y a plus de problème de d'Alien Beast. Pour le moment. J'ai pas la clé. Hé hé, problème. Non, pas la clé. Hop. J'avais pas les fights, c'est tout. Et si l'une des cristals souffle avait la clé, ben j'ai l'air con quoi. Il me semble pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien ici? Une petite clé qui traîne. On a du key, donc je peux pas de key. Des key. Ok. C'est un raccourci.
Un passage ici. Pas de passage ici. Un petit peu parce que sinon on va manquer de... Toujours pas ouvrir les portes. Que vous êtes responsable d'être l'audite. Dégage. Et ça, c'est un cafard. Vraiment responsable de toute la merde de l'univers. Mais ouvrir cette porte, mais pas les autres. En résumé, vous êtes des gros nazes. Là, là, gaffe. Donc finalement, je pensais que j'allais pas y aller, mais je pense que je vais y aller quand même. Ah d'accord. On a un problème. On a clairement un gros problème. Je crois que mon bateau n'est plus très là. Où est-il, mon bateau? Il est là-haut. Il est là-haut, il n'est pas à sa place. Là-haut. Oh, il est là. Sud. On va pas le mettre à sa place. Coupé, c'est pas par là. Bon, on a un long voyage à faire du coup. Un peu level up en plus. On s'en fout des alien bestes. Pardon, 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 pardon. J'ai pas vu. N'existe pas. Eux non plus, je n'existe pas. Bouge. Pas sûr. Voilà, c'est eux qui sont... Donc les Vanatai sont les responsables de tous ces problèmes. À la base, c'était pour exterminer tout l'Empire à la surface. Parce que avoir volé les cristaux, ils ont été trop loin. Donc c'est la vengeance de Rantarn et Arnaud. Avec seulement 10 coins. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais Mycroft s'est retrouvé au niveau de l'acide. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va faire notre rapport à Nick Zamander pour qu'il comprend bien qu'on a un petit problème de... Blablabla, the alien beast, voilà. Where the discovery is the regard of to the Vanatai, when entire the help of Empire War. We have no idea the cost. Vendetta sur l'Empire. I pour full and for scaling magic and black new exercise great care. And stop them. You remember something and check his home. Oh dear. We've been saving Maman down the town of Girka for days, but it was the Vanatai, so we didn't worry, better go. Voilà, donc Anik Zamander nous fait rappeler que dans Upper Avernum, il y a une ville qui appartient aux Vanatai. L'objectif, c'est aller leur péter la gueule. On veut des explications. Alors déjà, vous pouvez voir. Voilà. On va entrer. Salut! Déjà, il n'y a plus personne. Where are you?
Il a laissé ça. Laisse pas traîner ce truc là. Abruti. Je rappelle que ça c'est le labo de Rantar Nirno. Je peux pas voler, c'est bizarre. Enfin, tout ce que j'ai besoin moi c'est d'une clé. Savoir si c'est eux qui ont cette clé ou pas. Là je ne peux pas finir le jeu. Bonjour, excusez-moi, je viens pour une clé. Y a plus personne. Any plan I have to the fire the stove for sure. Ils sont les gardiens de ce passage. Dis donc vous. Mais apprends à faire des dégâts, je sais pas moi. C'est deux fois que ça esquive. Ils ont pas de PV en plus. Un portail. Vous entrez. Assume you step into the circle of wood, in full view of the grove of chairs. Something happened. Now you see that appear, you are amazing. And everything that the image appears above the six moon. Image, ok. Floating in the air, slowing. A slime above one moon. A cockroach above another. A troglodyte, a giant, a golem. And a strange six-legged beast. Float above the other winds. The way alive at this storm of meeting. As the Vanatai could examine and discreet the creature with which they have been. Locking the pupil on the sofa. After the minute, the image slowing disappeared and a flash of light. Two guards appear, blocking the way to the escape portal. Vous bougez pour vous attaquer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée dans la salle. Et au moment où elle est entrée dans la salle, elle voit que au niveau des runes, ce sont des sortes de zones de vision dans lesquelles les Vanatai s'amusaient à communiquer avec tous les monstres qu'ils ont créés. Donc les troglodytes, les géants, les cafards, les slimes, les golems et aussi les bestes. Et en fait, c'est une télé géante dans laquelle ils regardaient une sorte de... Merde, comment on appelle ça ? Une sorte de love story, si vous préférez. Donc, une sorte de reality show dans lequel ils s'amusent à voir l'Empire se faire détruire par ces monstres. Et là, il y a deux gardiens qui viennent d'apparaître. Oh putain ! Il y en a un, faut qu'il meure très vite. Et toi? Qu'est-ce que t'es? Allez, délivre-moi ton message. Mon créateur, oui, tu es nous interface. Pas de vengeance. Tu dois pas être. Qui est ton créateur? Rantar Nirno. Et d'autres. L'Empire stole three of no crystal soul. Voilà, donc là, il parle de l'histoire du 2 et de la vengeance de Rantar Nirno. Blablabla, blablabla, explain. Comment violate and destroy the world. Ah oui, c'est vrai que parmi les trois, il y en a un qui est devenu complètement fou parmi les... Mais vous tuez des gens innocents et détruisez... votre destruction... Le crystal soul crée... Golem can be forgiven. He's a great enemy. You become the great enemy. Le message c'est vous allez être exterminé. On est passé de Vanatai à... Oh putain, mais vas-y. Ah oui, quand même. Pas très gentil ça. On avait d'autres des comme ça les gars. Non, c'est pas fini encore ici. Le hall des Crystal Souls. Il n'y a pas de barrière magique.
Passer par derrière, quoi. No problème. Donc ils se sont bien pillé notre tête, hein. Tu l'es. On va essayer de passer par autre part, donc on va prendre le bateau. Est-ce que j'ai laissé mon bateau ici ou pas? C'est vrai qu'il y a une quête super chiante à faire. J'ai le bateau. Voilà le bateau. Excusez-moi, j'ai perdu mon bateau. Vous n'auriez pas vu quelque part? Épisode 2. Le bateau que j'ai utilisé à l'épisode 2, vous ne vous rappelez pas? Non? Bon bah, je vais fouiller tout Hyper Avernum pour retrouver mon bateau. Et une barque. De l'avoir laissé près d'une ville, soit New Formello, soit New Cotra, mais je me suis fait arnaquer. Qu'est-ce que c'est, des squelettes, on s'en fout. Largement passé les niveaux pour inventer trois squelettes de merde, quoi. J'ai retrouvé mon bateau, je suis content. Hop là! Pas tout de suite, en plus c'est les barrières. Donc on va se retrouver après la pause, à tout de suite les gens pour la suite de notre aventure.